Et bonjour à tous, c'est Alex Vidéo Test. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu de 1996 sur la Super NES. Vous allez voir que ce n'est pas un jeu facile, même s'il paraît enfantin comme ça au premier abord. Le méchant Blackjack a volé la fille. Une histoire classique, il va falloir aller la sauver. C'est un jeu que je jouais quand j'étais enfant. Ça s'appelle Kid Clown in Crazy Chase sur Nintendo 94 et non pas 96, excusez-moi, encore plus vieux. Voilà, donc on va diriger un clown au premier niveau. Alors en fait, moi j'ai beaucoup aimé les concepts de ce jeu-là. Mais attention, c'est un jeu que je n'ai jamais terminé étant petit, peut-être parce que j'étais pas assez fort. On va voir maintenant si, si je suis meilleur ou pas. Normalement oui. En grandissant, on arrive mieux à finir les jeux et à comprendre la logique. Mais attention, vous allez voir déjà beaucoup de nouveautés apportées au jeu de l'époque par rapport à 94. Déjà vous voyez que c'est un jeu de plateforme, mais on ne se déplace pas en scrolling horizontal. Là c'est un peu du diagonal, ça fait vraiment penser à de la 3D, même si ce n'en est pas. Mais en fait c'est... Ah merde. Les effets, ouais, on dirait vraiment de la 3D. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, vous voyez, un petit fil là. Et l'ennemi qui a posé une bombe à la fin du niveau. Donc il faut finir le niveau avant que le fil ait brûlé et fasse péter la bombe. Vous voyez ça en bas à gauche. Et pendant ce niveau là, il faut récolter les 4 signes des cartes, c'est-à-dire pique, carreau, cœur et trèfle. Donc en fait, faut essayer d'avoir tous ces ballons là. Donc faut pas les louper. Ah putain. Sinon, on doit refaire le niveau. Moi ce que j'adore, c'est les musiques. Les musiques sont superbes. Vraiment dans une superbe ambiance. Et les petites animations là du Kid Clown, ça fait bien rire. Quand il se fait... voilà, quand il se pique. Hop, le cœur. Donc j'en ai pas manqué. Ah putain. Hop, les petits bruitages. On prend les pièces. J'ai le carreau. Et là, on me jette des haches. C'est l'ennemi Blackjack. Oh putain, le ballon. Ah putain. Vous voyez là, ça, ces petites animations. Quand il se fait mal et tout, c'est, je trouve ça marrant. C'est bien fait. Hop, on récupère de la vie. On saute. Faut avoir les ballons. Est-ce que c'est... Comme c'est une... Ah putain. Vous voyez, il y a des ballons piégés, donc on est obligé de perdre du temps. Et c'est là que ça symbolise le timer. Parce que vous avez certains jeux comme dans les Tintins ou quoi. Bon, il y a un timer et vous comprenez pas pourquoi. Au bout d'un moment, on se met à mourir parce qu'on n'a pas fini le niveau à temps. Là, au moins, ça prend toute son importance. Vu qu'on comprend que le timer correspond à la bombe, en fait. Donc, si vous finissez pas à temps, ça explose. Et vous le voyez en bas, le temps qui vous reste. Du moment que la mèche est écoulée, pardon. Ah putain, salopard. Dégage. Donc là, j'ai tous les symboles. Je peux détruire la bombe, la mèche qui arrive derrière. J'ai tout ce qu'il faut. Ça me donne une clé pour passer au niveau suivant. Toujours des musiques très très festives. Moi j'adore ça. Avec un stage bonus. Bonus game. Qui sont toujours très très marrants en fait. Oh putain. C'est pas facile, il faut taper que le Blackjack et pas la princesse. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Time up. Qu'est-ce que ça va me donner? Je sais pas. Stage 2, vous allez voir, ça va se compliquer de plus en plus. Donc, comme je vous l'ai dit juste au début de la vidéo, c'est un jeu que je n'ai jamais terminé.
Maximum, je crois que j'ai fait 4 niveaux. 4 niveaux, c'est pas énorme. Je sais pas du tout combien il y en a dans le jeu. Peut-être qu'il y en a 5, peut-être qu'il y en a 10. Ça m'étonnerait qu'il y en ait 10 quand même. Voilà, hop, il allume la mèche. Nous, on sort de l'égout. Donc, on comprend que ça va être un niveau dans la ville. Ah putain, ça fallait s'y attendre. Et là, vous voyez que bon, la mèche a de l'avance sur moi. Il va falloir que je la rattrape. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh putain. Sans oublier d'attraper les ballons qui, des fois, ne servent à rien quand c'est des pièces. Oh putain. Ouais, c'est bon. Allez, vite! Un peu de vie. Ah, je rattrape la mèche, là. Je rattrape la mèche. Et, qu'est-ce qui se passe? Ah, un niveau bonus, sûrement. Qui ne sert à rien à part à pincer des pièces. Donc, ça anime vraiment le jeu de faire ça. Ah, putain. Allez, on continue. Voilà. Avec toujours voilà, des petites animations, faut sauter par-dessus. C'est un jeu quand même assez foufou. Dans le sens où... Voilà, on court dans tous les sens, il y a des objets partout. Faut être vraiment très attentif à tout. Hop, faut passer comme ça sur les côtés, faut éviter. Il faut penser à ramasser les ballons, bah, sinon... On va devoir se retaper le niveau si on n'a pas toutes les cartes. On sait que Bladja qui rôde par là. Toujours prêt à nous faire des sales coups. Voilà, il est là. Ouais, voilà, un ballon piégé. Qui nous écrase. Oh putain! Comme par hasard, ça se déplace. On est des fous, allez. Normalement ça devrait être bon là si j'oublie pas le dernier ballon. Il allait se viander sur la route. Allez. Non, c'est pas celle-là. Il me reste plus beaucoup de temps à la fin du niveau. Je saute, on sait jamais. Oh non! Voilà. À mon avis, c'est celle-là parce que ça bouge. Voilà, c'est bon. Allez, à fond maintenant. Oh non, j'ai raté le trampoline. Là, ça va être chaud. Là, ça va vraiment être chaud. Ça va vraiment être chaud. La mèche qui va arriver, sans doute. Non, c'est bon. Ah, pourquoi je ramasse ça? J'en ai pas besoin. Ah là là, comment on peut éviter ça? Vous voyez, cette pseudo 3D a parfois des petits soucis vu que je saute par-dessus et que ça me touche quand même. C'est bon! J'ai fait péter la bombe, enfin avec un petit coup de pied. J'ai les 4 symboles. Pour passer au niveau suivant, pour l'instant, rien de difficile. Mais ça peut m'arriver que si je loupe une figure, ben, je dois refaire le niveau ou je peux mourir. Je suis jamais invincible. Et des points quand même, pas mal de points. Nouveau stage bonus. Apparemment. Tiens, c'est marrant ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que des fois dans les fêtes foraines, il y en a. Oh putain. Oh non. Alors je suis à gauche, si vous savez pas. Oh, je me suis pris 3-0. Je sais pas qui c'est qui joue en face. Out of trace. Stage 3. Et il pose la bombe pas loin des rochers. Là, il va falloir vite y aller parce que sinon, vous voyez bien que ça nous bouche la sortie. Il déroule la ficelle. Il va l'allumer. Ah, j'adore la musique aussi.
toujours très stressante. Et là, on est dans un volcan, vous voyez, c'est super bien fait sur les côtés, là. Là, il y a vraiment un effet 3D, on voit la tranche. La tranche du parcours. Je sais pas trop où il faut passer. Ce niveau-là, déjà, il est corsé. Je vous dis, je suis arrivé qu'au quatrième niveau, donc celui-là, j'y passe quand même du temps. Et après, bon, le quatrième, je sais pas le faire. Et la mèche qui arrive, là. Là, on est vraiment chaud avec le timing. Il n'y en a pas de temps à perdre. Surtout qu'il faut ramasser tous les ballons. Et des fois, vous perdez du temps fou pour les pièces. Il n'y a pas la place à l'approximation. Il faut s'arrêter. Oh non! Vous voyez, des fois, c'est difficile de juger. Et quand on saute... Oh putain. Toujours là pour nous faire chier, celui-là. Il faut sauter au dernier moment pour l'éviter. Il est toujours en train de se ramasser des trucs. Là, on descend. Et hop. Là, toujours pas de symbole. Ça me fait peur. J'ai bien peur que j'en oublie un. Allez! Ah, j'en ai oublié un, enfoiré! Je vais devoir refaire le niveau! Vous voyez là, j'ai un trou. Voilà, donc je le finis à fond et je suis obligé de refaire la dernière figure. Sans mourir, bien sûr, si je peux. Au moins, je connaîtrai le niveau. Ah, la musique est superbe. Il a fait courir. Et le scrolling, on le voit au dernier moment. Allez, allez, allez. Là, je prends plus aucun ballon. J'ai pas de temps à perdre. Ok, il roule celui-là. C'est bon. Mais ce n'est pas bon, vous allez voir. Voilà ce qui arrive quand on loupe une figure. On est reparti. Et il replace sa bombe, l'enfoiré. Il est content. Not again. Allez, on est reparti. Allez, allez, mon gros. Allez, hop. Hop, lui, il tombe à chaque fois. Il fait n'importe quoi. Ciao. Allez, allez. Alors, je sais pas où c'est qu'elle me manque. Oh, oh putain. Je pense pas que c'est celle-là. Je vais pas perdre de temps. Parce que après, c'est des ballons piégés. Oh là là, j'ai bien sauté pourtant. En même temps, on profite bien de la musique comme ça. Là, y a rien. Vous voyez que ça a envolé direct. Ça veut dire que je l'ai déjà pris. C'est sûrement un qui est quand même au début. C'est peut-être celui-là, tiens, que j'ai raté tout à l'heure. Voilà, allez, go! On y va jusqu'à la fin du niveau. Et vous voyez la mèche qui revient. Ok, de l'avance. Vous allez voir que ça prend de plus en plus son importance. D'avoir cette petite flamèche là qui vous stresse. Oh putain. Moi j'adore les animations, les petits bruitages et tout. Là, du fait de tomber, c'est... N'oublie pas que c'est quand même un jeu de 94. Ah putain. Et quand même, je sais pas s'il y a vraiment eu beaucoup de succès ou de pub pour ce jeu-là. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait pas vraiment savoir. Et je lisais pas, il y avait beaucoup de magazines spécialisés dans les jeux. Ah putain. Allez, replace-toi. Ah putain, je vais pas mourir maintenant. Il me reste plus beaucoup d'énergie. Et quand il n'y a plus d'énergie, on repart au niveau à zéro. Allez, oh putain, là je suis chaud là. Je suis très très chaud, je suis vraiment au bord. Aïe.
Plus beaucoup de vie. Allez, 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 mon cochon. Allez. Ah, ça va être chaud, là. Ça va vraiment être chaud, c'est bon. Oh, putain de niveau. Ça va vraiment être dur, là. Enfin. Et voilà, le stage 3 terminé. Voilà, le stage 4. S'il n'y a pas de bonus, non, c'est bon. Stage 4, c'est lequel je bloquais. Je ne sais pas le finir, celui-là. Si je le finis, alors là, ça sera vraiment exceptionnel. Le niveau dans la glace, ça glisse. Il y a des pièges de partout. C'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Si j'arrive à le finir, vraiment, ce sera grâce au live et à la motivation que j'ai parce que j'ai jamais réussi à le finir. Vous voyez, je commence avec la vie que j'avais auparavant. Donc ça, c'est un peu... C'est un peu difficile, là je prends un coup, je suis mort. En plus si je rate des ballons, et voilà, je suis mort. Je suis mort. Game over. Game over. Ah. Il y a des continues et heureusement il y en a 3. Mais 3 ça ne suffit pas vu que là il n'y a pas de vie. Hein. C'est 3, vous êtes mort 3 fois. C'est fini. Et en général, c'est ce qui arrive. Alors déjà, regardez, vous commencez, on tombe. Et voilà, on perd de la vie en arrivant dans le niveau. Alors que j'ai rien fait. Alors déjà, voilà, vous commencez jamais avec 100% de vie. Et vous allez voir que le fil va de plus en plus vite. Mais alors, il est bien déroulé, je sais pas. Là, je suis un peu moins fan de la musique. Mais ça reste quand même dans l'ambiance. Alors là, ça, j'arrive jamais à le passer. Allez, vite, vite. Oh non. Regardez, regardez. Voilà, je tombe, ça me perd de la vie. Juste parce que j'ai pris un ballon. Il y a de la vie. Ça va être très importante. Il faut pas aller trop vite. Parce que comme ça glisse, c'est difficile de s'arrêter après. Enculé, là. Il y a des ballons piégés. Alors là, non. Non, pas lui. Oh, enculé. Ah, c'est vraiment dur, là. Voilà, quand même. Là, je sais pas ce qui se passe. Il y a des ombres. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont tomber. Allez, j'ai toute ma vie là, c'est plutôt pas mal. Oh, enculé. Des stalactites. Et bien sûr, faut pas oublier de récolter les symboles. Là, on voit dans le bloc de glace qu'il y a Blackjack. Oh non, j'en ai raté un. Allez, allez. Allez. Ah, je suis sûr que j'en ai loupé un. Et il n'y a que des pièces en plus. Vous voyez, hop, faut sauter. Ah, j'en ai loupé un. J'ai loupé le cœur. Mais au moins, si j'arrive à finir le niveau, je pourrais recommencer. Mais comme... Oh, putain. Mais comme j'arrive jamais à le finir, vous allez comprendre dans un certain passage que c'est impossible. Peut-être que là, je vais y arriver. Ah, voilà. Ah, vous perdez de la vie d'abord quand vous tombez et après quand vous réatterrissez. Là ça fait pareil. C'est vraiment difficile de passer. On a du mal à voir en perspective, même si le décor 3D est bien fait. On n'arrive pas à s'y faire sur certains blocs. Et alors là, c'est mon pire cauchemar. J'arrive jamais à m'en faire. Voilà. Je sais pas comment faire pour l'éviter lui. À chaque fois il me touche. Voilà. Je suis bientôt à la fin quand même. Mais il me manque beaucoup de symboles. Enfin, il m'en manque un.
Je suis à la fin. Malheureux. Putain. Si j'avais eu ce symbole là, je serais passé au niveau suivant. Et allez. Enfoiré. Enfoiré. Enculé. Tu me casses les couilles. Je dois tout recommencer. Et allez. Ah, cette musique là, je l'ai écoutée un paquet de fois. De refaire le niveau. Allez, toi casse-toi. Là, il y a peut-être de la vie. Non, il n'y a rien. Il me faut de la vie là. Il me faut de la vie. Parce que c'est impossible de le finir avec une moitié de barre. Allez, allez! Je sais pas comment c'est possible. Non, pas celui-là, je crois que c'est un piège. Et voilà. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Un niveau bonus! Oh putain! Allez, mon gros! Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, ça c'est vrai que ça... Oh putain la vie. Ça change des registres habituels avec ben, les... Oh putain, à chaque fois je me fais avoir. Avec les PES et les vidéos dernière génération. Oh putain. Vous savez que j'aime bien faire ça. Un coup rétro, un coup next gen. Ah putain, non, 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 non. Il faut surtout pas se coller à lui. Ah! Et voilà, il est bloqué. Voilà, j'ai plus beaucoup de vie là, c'est mort si j'arrive. Jusqu'au scooter des glaces, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, je sais comment ça s'appelle en plus. Ouais, je sais plus. Motoneige, voilà. Allez, je suis sûr que c'est celui-là. Il est difficile à voir. Oh non! 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 Oh, bah ben là, c'est mort. C'est mort, c'est mort, là. Pour recommencer, il faut que je change parce que j'en ai loupé deux importants là. Je suis sûr que c'est cela. Allez, on va pas s'emmerder. On va refaire le niveau. Alors, c'est un jeu assez original. C'est. Ah, il me reste plus que deux vies. Vous allez bien comprendre. Que ben, vous allez comprendre pourquoi j'arrive pas à passer ce niveau. Déjà, ben, j'arrive pas à attraper les ballons, mais ça glisse. On peut pas s'arrêter de suite, faut vraiment anticiper. Et comme on est toujours à fond dans ce jeu-là, c'est vraiment pas facile. Et imaginez, vous êtes un gamin, voilà, on vous offre ce jeu pour Noël. Voilà, 4 niveaux, on est bloqué. Quelques minutes. Après vous arrêtez parce que vous dites bon c'est bon j'ai trop joué donc j'y rejouerai une prochaine fois. Et on bloque toujours au même niveau donc à force ça doit... Oh non! Ah là là! Oh j'ai pas pensé à ça! Merde j'ai sauté des ballons j'aurais pas dû. Si vous voyez une voix, ça m'a remis à zéro les symboles. Donc j'espère que j'en ai pas loupé. Parce que là je suis dans la merde. Oh là 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 là. Double perte de temps. Et oui, j'avais pas pensé à ça. Allez là, je suis sûr qu'il y en a une. Putain! Ah là, j'ai fait un quart du niveau, j'ai pas eu de symbole. Je vais rater le premier. Je vais essayer d'avoir quand même ceux de la fin. Ah là là, non, 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 non! Putain, la première fois, j'avais réussi à le passer bien. Oh là 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 là. Allez, allez, celui-là, là. Celui-là! Putain! Ah, il y a des pièces dans celui-là. Je suis sûr que dans l'autre, il y avait un symbole. J'en ai eu zéro, hein. Donc là, je suis en train de faire le niveau pour rien.
Comme si le jeu était pas difficile comme ça et qu'il fallait ramasser toutes les... Oh là là, j'en ai loupé deux en plus. Allez, allez! Le jeu est pas assez difficile. Non, faut tout récolter, tous les ballons dans le doute. Hein. Voilà, là à côté, je crois qu'il y a une bombe, mais on... dans le doute, on va y aller, voilà. Ici, là, c'est difficile à passer. Si on voit pas en 3D, on saute dessus. On perd du temps. Allez, faut tout en sauter et tout en être à fond. Et là, voilà. Ce passage. Enfin, faut sauter des deux côtés, en fait, si j'ai bien compris. Oh, il m'a touché. Bien sûr, je perds de la vie en retombant. Bon, là, je pense que je vais avoir assez de vie pour terminer, mais je vais devoir quand même le retaper. Allez, allez, voilà. Allez, on finit. Toute façon, il va falloir le recommencer. C'est stressant ce jeu, c'est vraiment stressant. Ça, c'est vrai que c'est un jeu. L'effet de la musique, de la bombe qui avance, il faut récolter, il faut penser à ça. Et alors c'est vraiment un jeu qui... Vous êtes tout le temps à fond, à fond, à fond. Peut-être qu'il est court, mais vous êtes vraiment à fond dedans. Toujours à fond, il faut vraiment penser à tout, tout en train de sauter avec beaucoup de réflexes. Ah là là. Allez, celui-là, faut que je me le tape. Non, il n'y a rien. Quitte à perdre un peu de temps au début, autant assurer. Alors là, je sais pas comment on passe. Ah non, oui, peut-être. Oh là là. Ce ballon, je vais l'éviter. Ah là là là, il est pas capable de s'accrocher au bord. Allez, là, il me faut cette vie. Voilà. Hop, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi! Mais quel enculé! Comment il glisse quoi? Mets des skis! Oh non! C'est pas possible ça! Allez, celui-là, il me le faut. Je crois qu'il y avait des pièces, d'ailleurs. Ah non, c'est bon. Allez, il me manque le premier. Bon, on va les faire une par une. Hein. Allez, là, je vais à la fin du niveau, si je peux, sans perdre de vie. Parce que ça me sera utile pour le second tour. Si je peux essayer d'en récupérer. Allez, il n'y en a pas, bien sûr. Hein. Allez! Putain. Là, alors là, il y a de la vie et à côté, il y a une bombe. Voilà. Oh là là là. En fait, ouais, c'est pas vraiment le timer là, qui gêne dans ce niveau-là. Donc, en fait, oh non! Je m'en sors pas si mal niveau temps. Sauf que, ben, voilà. C'est la vie qui vous coûte cher. Donc arriver à certains passages. Et hop. Ouais, toi tu dégages. Ah, il m'a touché l'enfant. Allez, il y a ceux-là là. Peut-être de la vie ici. Hein. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh non non, il va pas faire ça. Ah c'est bon. Avec si peu de vie, ça va être difficile. Hein. Ça va vraiment être chaud. Quand je vais avoir les symboles, j'aurai plus de vie. On est reparti, allez.
Ah, c'est pas possible alors. Et sachez que voilà, vous perdez pas de vie quand vous recommencez comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. En même temps, c'est normal vu qu'on garde les symboles. Alors, c'est lequel? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ici, j'arrive jamais à passer. Je sais pas comment on fait. Celui-là, je vais pas le prendre. C'est un piège. Là, il y a de la vie, heureusement. Oh non! Mais non! Oh non! Putain! Foiré. Dernière chance. Comme je vous le dis, ça se trouve, je ne passerai pas ce quatrième niveau. Allez, là c'est la bonne. Là c'est la bonne. Il veut faire péter le pont de glace. Allez, go là. Allez. Ah, je peux pas me laisser battre par... Alors, je sais que c'est pas ici au début en fait. Mais bon, j'ai le temps. On va le prendre. Tranquille. Mais je sais en fait, je pense savoir où c'est que c'est. Voilà, là, c'est n'importe quoi. Heureusement que ça perd pas de vie. Allez, allez. Je vais doucement. Voilà. Je suis sûr que c'est ici. Voilà. Faut vraiment ralentir. Allez. Le symbole. Voilà. Merci. Allez là. Faut pas que je me fasse avoir. Oh non, non! Allez, allez! Oui! Allez, là c'est la bonne. Je me rappelle plus où sont les autres symboles, il va falloir que je prenne tous les ballons. Celui-là sans doute. Voilà. Le cœur. Oh non! Ah, j'espère que c'était pas celui-là, que j'en ai pas loupé un. Il est peut-être ici. Je l'espère. Ah, j'ai peur là, j'ai vraiment peur. Oh putain. Allez, attrape-le! Voilà! Ça, c'est bien! Alors là, il y a de la vie. Là, je vais commencer à le connaître par cœur, mais là, je suis chaud en temps. Là, c'est short. Oh putain! Oui! Oh non! Allez, vite, grouille-toi! Voilà, ce passage-là va être déterminant. Ah, il m'a touché un peu. Allez, allez. Oh là 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 là. Mais comment il fait? Allez, allez, c'est peut-être cela, c'est peut-être cela. Tranquille, tranquille, tranquille. Voilà. Je me casse. Enfin, je vais pouvoir goûter
au cinquième niveau que je ne connais pas, avec pas beaucoup de vie. Un petit stage bonus, ça serait bien là pour me faire un continue supplémentaire. Merci. Oh non, pas encore ça. Ah, il faut que je le batte. Oh non! Pourquoi? Oh mon Dieu! Oh non, me dites pas que c'est dans le noir. Oh les sadiques! On n'y voit rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh enculé, c'est quoi ce niveau? Oh des fantômes! Putain! La trouille! Oh là là, c'est quoi ce niveau hanté? Ah, il est impossible! Il y a des fantômes partout! Oh là là! Je veux des symboles! Et comment je fais là pour passer? Allez, allez, dépêche! Dépêche! Et voilà, il m'a léché le fantôme. Et voilà, il m'a léché, je suis mort. Et voilà! Au moins, on aura pu apercevoir le dernier niveau, même s'il avait l'air carrément infaisable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous aurez passé un bon moment sur ce jeu King Clown in Crazy Chase, un jeu sur Super NES, Super Nintendo 1994. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que vous la commenterez, que vous aimerez et que vous inscriverez, oui, comme ça, sur Camgame, le forum, comme ça vous pourrez me proposer des nouvelles choses. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine, salut!